Je suis ancien avocat et je travaille aujourd'hui dans une équipe qui a pour mission principale d'apporter une assistance juridique et technique aux rapporteurs de la commission des sanctions de l'AMF. Les rapporteurs sont des membres de la commission désignés pour instruire des dossiers de sanctions. J'aide donc ces rapporteurs à élaborer leur avis dans des dossiers qui concernent par exemple des manquements d'initiés ou des manipulations de cours de bourse. Par ailleurs, lorsque les décisions de la commission sont contestées, je suis amené à représenter l'AMF devant la Cour d'appel de Paris. L'impact de mon travail. Les personnes qui sont mises en cause devant la commission des sanctions de l'AMF encourent des sanctions parfois importantes et c'est donc une grande responsabilité que de contribuer à l'élaboration d'un dossier d'instruction. Par ailleurs, lorsque je rédige un raisonnement juridique, je dois évaluer l'impact de telle ou telle interprétation de la loi ou de la réglementation sur le fonctionnement des marchés financiers, car les décisions de la commission des sanctions comportent des éléments juridiques qui ont vocation à s'appliquer au-delà des mises en cause à l'ensemble des acteurs de la place financière. Par conséquent, au quotidien, c'est exigeant, stimulant intellectuellement et très valorisant. La qualité des équipes et l'offre de formation. En tant que juriste et ancien avocat, mon travail au quotidien consiste essentiellement à faire du droit. Mais pour appliquer la règle de droit à des situations concrètes, il faut être en mesure de comprendre les problématiques opérationnelles que soulèvent les dossiers. Et justement, à l'AMF, j'ai la chance de travailler avec de nombreux experts de la finance et des marchés financiers. Et nos échanges parfois très pointus m'aident à mieux saisir les enjeux liés à mes dossiers. Par ailleurs, l'offre de formation à l'AMF est large et variée et je suis régulièrement des formations qui m'aident à maintenir mes connaissances, mais aussi à élargir mes compétences. La diversité des missions. Mon poste à l'AMF me permet d'avoir une double approche. J'instruis des dossiers de sanctions et je prends en charge les contentieux. Les rapporteurs de la commission instruisent les dossiers à charge et à décharge, et c'est donc dans cette optique qui correspond en quelque sorte à celle d'un juge que je me place lorsque je les assiste. En revanche, lorsque les décisions de la commission sont contestées, je retrouve l'approche que j'avais lorsque j'étais avocat. Je défends une position, celle de l'AMF, notamment en plaidant devant la Cour d'appel de Paris. Cette double approche rend mon activité riche et je ne m'ennuie jamais.